Здравствуйте, дорогие ученики! Bonjour, chers élèves! Добро пожаловать на урок русского языка для всех! Bienvenue au cours de russe pour tous! Как дела? Comment ça va? Хорошо? Bien? Отлично! Excellent! Замечательно! Remarquablement bien! Замечательно! Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la leçon numéro 3 sur l'entraînement à la lecture et à l'écriture en attaché et en imprimé. Dans la première partie, nous avons vu quelques nouveaux sons, dont une chuintante, et aussi nous avons travaillé la lecture des syllabes assez spécifiques et des syllabes avec le signe mou. Vous avez vu également quelques mots qui concernent le vocabulaire de la famille et aussi la localisation d'un endroit. Aujourd'hui, nous allons réviser ces mots et ensuite nous allons travailler sur les phrases qui seront composées à partir de ces mots en question. Et ensuite, vous allez avoir un test comme d'habitude. C'est parti! Mama, maman, papa, papa, брат, frère, сестра, sœur. Бабушка, grand-mère, дедушка, grand-père, семья, famille, мой, mon, твой, он, моя, ma, твоя, ta, вот, voici, где, où, dans quel endroit. Avant de passer aux phrases, je vous conseille de réviser les mots qu'on vient de voir. Si c'est fait, passons aux phrases. Je vous propose la première phrase, écrite en haut en imprimé et en bas en attaché. Вот моя семья. Voici ma famille. Papa, мама, брат, сестра, дедушка и бабушка. Папа, папа, мама, маман, брат, frère, сестра, sœur, дедушка, grand-père и бабушка et grand-mère. Bien évidemment, en français, il faut rajouter mon frère, ma sœur, mais en russe, on rajoute jamais de possessif si les personnes mentionnées concerne celui qui parle. Et maintenant, relisons la même phrase, mais en variante en attaché. Вот моя семья. Папа, мама, брат, сестра, дедушка и бабушка. On lit encore une fois. Вот моя семья. Папа, мама, брат, сестра, дедушка и бабушка. On passe à la phrase 2. D'abord la variante imprimée, ensuite la variante en attaché. Где твоя мама? Où est ta maman? Вот моя мама. Voici ma maman. Она слева. Elle est à gauche. On relit encore une fois avec un peu plus de fluidité. Где твоя мама? Вот моя мама. Она слева. Et maintenant, on passe à la variante en attaché. Где твоя мама? Вот моя мама. Она слева. И on refait encore une fois. Где твоя мама? Вот моя мама. Она слева. On passe à la phrase numéro 3. А где твой папа? Вот мой папа. Voici mon papa. Он справа. Il est à droite. Passons à la même phrase en attaché. А где твой папа? Вот мой папа. Он справа. И encore une fois, un peu plus vite.
А где твой папа? Вот мой папа. Он справа. Phrase numéro 4. А где твоя бабушка? И où est ta grand-mère? Моя бабушка дома. Ma grand-mère est à la maison. Et maintenant la variante en attaché. А где твоя бабушка? Моя бабушка дома. И encore une fois un peu plus vite. А где твоя бабушка? Моя бабушка дома. Phrase 5. А где твой брат? Et où est ton frère? Он тут. Il est ici. La variante en attaché. А где твой брат? Он тут. Encore une fois. А где твой брат? Он тут. La phrase 6. А где твоя сестра? Она там. Et où est ta sœur? Elle est là-bas. La variante en attaché. А где твоя сестра? Она там. Encore une fois. А где твоя сестра? Она там. И encore une fois, un peu plus vite. А где твоя сестра? Она там. Je vous propose de bien réviser les mots et les phrases avant de passer au test suivant. C'est le test de lecture en imprimé et le test de traduction avec quelques mots de la vidéo précédente. Je vous laisse quelques instants avant de vous donner la réponse correcte. Première phrase. Вот мой дом. Voici ma maison. Deuxième phrase. Это моя комната. C'est ma chambre. Troisième phrase. Тут я и моя семья. Ici, c'est moi et ma famille. La phrase suivante. Слева мама и папа. À gauche, il y a maman et papa. La phrase suivante. Справа бабушка и дедушка. À droite, il y a la grand-mère et le grand-père. La phrase suivante. А там брат и сестра. Et là-bas, il y a le frère et la sœur. Et la dernière phrase. Мы дома. Nous sommes à la maison. Comme vous pouvez constater, cela nous fait un petit texte de description d'un lieu et de la famille. Je vous propose de relire ce texte en entier avec moi. Вот мой дом. Это моя комната. Тут я и моя семья. Слева мама и папа. Справа бабушка и дедушка. А там брат и сестра. Мы дома. И encore une fois, вот мой дом. Это моя комната. Тут я и моя семья. Слева мама и папа. Справа бабушка и дедушка. А там брат и сестра. Мы дома. Je vous propose de lire le même texte en attaché. Et ensuite, vous pouvez vous tester en écrivant une dictée. Вот мой дом. Это моя комната. Тут я и моя семья. Слева мама и папа. Справа бабушка и дедушка. А там брат и сестра. Мы дома. Vous avez été formidable.
Pour terminer, voici un test de traduction du français en russe. Je vous laisse, comme d'habitude, quelques instants avant de donner la bonne réponse. Voici ma famille. Вот моя семья. La grand-mère et le grand-père sont à droite. Бабушка и дедушка справа. Papa et maman sont à gauche. Papa et maman слева. Je suis à la maison. Я дома. Ma sœur est là-bas. Моя сестра там. Mon frère est ici. Мой брат тут. C'est ma chambre. Это моя комната. Bravo à tous, bravo à chacun de vous d'avoir beaucoup répété les mots, d'avoir fait un effort de lire, d'avoir fait un effort de copier. Plus vous vous entraînez, mieux c'est. En fait, l'apprentissage d'une langue et la pratique d'une langue, c'est comme un entraînement sportif, puisqu'il faut répéter plusieurs fois un geste, un mouvement, faire entraîner les muscles du visage, faire entraîner le cerveau pour avoir une habitude et pour ne plus réfléchir quand on parle. Je vous souhaite une très bonne continuation dans cette pratique sportive linguistique. Je vous donne rendez-vous dans une vidéo suivante. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.